Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, Bandeko, l'émission Tokoloba sur Forum. Oyo, RDC aux États-Unis, Oyo Sama na Californie. Bandeko, tu qui construis sa mamie, ou à Kagamba, ou à Minere, tu qui mène la source à ma société, ou à travailler à Kanaba Rwanda, baton à Nyons, ou à Yuga Minere na Bissou. Alors, Bayebsi Bango, qui va traiter directement na Bissou. Moi, une voiture en Tesla. Oyo Tesla, oyo sala peno yo kama solo kitoko. Na voiture électrique, bato ba bandaka. Me bango tile lo, ba somba ka directement na RDC. Alors que bango de ba grand consommateur ya ba batterie électrique. Alors ba soli na bango, pona ko laksa bango ete. Pei RDC bo yo kaka ba image wana, obo mona keza ya ngouti. Biso za pei responsable. To za pei yo, il faut ko traite na biso directement. Boko traiter na bato mususu te, il faut qu'on traite na biso. Alors bandeko bandima ke. Balim bayo sala kutu mbala mo makantu na RDC. Donc bon mona comment gouvernement fachezo changer makam. Pays ala ki na katia ghetto pendant 20 ans na gouvernement eliki. Alors ba mona te ba ke ne bango moko na source na États-Unis e kale ba Kagame bato na nyonso ba kon o ba traita kana ba. Ba moni pene ke oui. Oh. Donc, ne te somba kane zakamabe. Eh, zakamabe. Boye pa na biso moko. Alors, ma compagnon yo sur la Californie, chambre de commerce na bango, basololi, tolanda. Nous en venons à présent à cet appel lancé par la ministre d'État, ministre de l'Environnement et celui du Commerce extérieur. Ils invitent les responsables des entreprises américaines Apple, Tesla, Google et autres de venir traiter directement avec la RDC au lieu de continuer à passer par les commissionnaires. Ces derniers ont, selon les officiels congolais, constitué un réseau international pour tenir injustement l'image de ternir injustement l'image de la RDC. F. Bazaïba et Julien Paloukou l'ont dit hier lundi à l'ouverture du forum RDC États-Unis à Silicon Valley en Californie, berceau de la haute technologie aux États-Unis d'Amérique. C'était devant les représentants des consommateurs finaux des minerais stratégiques congolais. On écoute les explications de Julien Paloukou, ministre du Commerce extérieur. Il a été joint par Alain Irung. Le message que le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, a fait porter à la délégation congolaise pour cette première édition du forum RDC États-Unis, c'est d'abord de changer la perception qu'on s'est fait de la RDC. Parce que le plus souvent, on ne dit pas ce que la RDC. On voit une autre image que l'image que nous représentons. On ne dit pas, par exemple, que nous avons un taux de croissance de 5%. Là, on ne dit pas, par exemple, que nous sommes le producteur mondial du cobalt, du coltan, et de tous les autres minéraux qui entrent à la fabrication des minéraux, des batteries électriques pour assurer une véritable transition énergétique. On ne dit pas assez souvent que nous regorgeons un potentiel en termes d'agriculture pour nourrir le monde. On ne dit pas assez souvent de bonnes choses sur la RDC. Donc, comme nous sommes au cœur des consommateurs finaux de nos minéraux, eh bien, nous avons voulu porter le message pour dire on a souvent collaboré avec des commissionnaires qui ne sont pas des véritables producteurs. C'est le moment pour tous les partenaires américains, sous l'égide d'une gouvernance mise en place par Félix Antoine Tshisekedi, de collaborer avec les partenaires congolais. Pour leur part, les opérateurs économiques américains, par le biais du chairman de la Chambre de commerce de San Francisco, Frédéric Jordan, se disent désormais prêts d'aller investir en RDC qui offre différentes facilités. Par ailleurs, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula et la représentante de la gouverneure du Lualaba ont aussi présenté les opportunités qu'offrent leurs provinces respectives. Alors, bande Kobolandia. C'est ça un pays. C'est ça place où tout le monde a que tout ça besoin. Mboka na biso et comme à niveau oyo. Et te batou ba sa kansu na ban minere na biso te. Paye tellement tozoa ma kamunyo so ane. Ba sa kanda ban minere na biso mingi.
Ils ont ça la passe et paiement. Bah, minéré, zo le kakote à battement, koukouto. Tala, mandego, tala Tesla. Mon yon savait, ça coûte cher cette voiture. Bah, voiture, la batterie électrique. Bah, on t'a bandakian, bah, américain, bah, industrie américaine. Mais bah, zo somme en haut directement à ESETI. C'est ça notre souci. Mais bah, zo somme en haut directement, la battement, koukouto, auto, yébité. Indirectement, alors il fallait mal les canaux RDC. Alors, ma conduite, ma monakita, tout ça, la forum américain, tout dévoilé ma camboana nyonso. Comme ça, bango va traiter maintenant, n'abiso, parce qu'on continue à boiter bandeko. Bandeko, dossier où il y a ma batterie électrique, et tout ça, la passe. Comment on a comment payer n'abiso? Batwazo sakana bandeko. Bazwa kaka ndenge toluto landa wana. Donc ben intermédiaire toyebi kutu na bango te ba mafieuse. O ba somba kana sire pa ba groupe armé. Ah non, basali makamu kitoto ko kanga bango suko na source. La société américaine, moi, nous, c'est ça là qu'on va batterie, on va batterie électrique. Bandeko, et mon ennemi, pena, qui est tout ça, là, qui n'a problème. Alors, bah, Eve Bazaïba, ministre, paye à commerce, c'est Palouko, Ika Palouko, soit Zoloba. Ah, y'a ben à tout chacun à pointe. Bazaba, mi yibi. Donc, Oyo, tout en est à qui va aventurer na bango. Et comme étant Oyo, tout récupérer Nyons. Bandeko, et ça, ça la sonne paiement. Parce que Batoyo, son azotala, et ça, pesa, ma belle. Parce que, basakana va minérer na bisou. Bisou moko aide si tu évite. Et kuna, basou te kayango, na ben koni au koute ebi bangoti. Bon, continuez à s'abonner massivement. Bon, partagez. Au revoir. À la prochaine.